Eh bien, salut tout le monde, c'est Black Paradise, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, on se retrouve sur PlayStation All-Star Battle Royale. Donc c'est parti pour les amis, un mini let's play. J'ai appelé ça comme ça, j'ai décidé d'appeler ça vraiment comme ça. Donc je vais vous expliquer tout ça lors de la vidéo. Donc je commence. Je tiens à vous préciser qu'il y aura un et un seul épisode de ce mini let's play, parce qu'en fait c'est ouais même pas un let's play, vraiment c'est une aventure, un mini let's play, enfin ouais. J'ai trouvé le nom mini let's play assez sympa, du coup je l'ai utilisé. Donc nous sommes dans PlayStation All-Star Battle Royale, nous sommes dans le menu, on va aller dans jeu en solo, dans arcade. Et en fait le mode arcade consiste à je lis la description, finir l'histoire de chaque personnage, voilà. Et donc bah, je vais prendre, comme vous vous en doutez, Sackboy. Alors pourquoi est-ce que je vais prendre Sackboy et que je vais faire l'histoire de Sackboy? Parce que tout simplement j'avais déjà fait une vidéo test sur le jeu et j'avais dit que je ferais sûrement un mini let's play de l'épisode, enfin un mini let's play, oui, de Sackboy. Voilà, parce que je vous expliquerai ça plus tard. Donc en difficulté je vais mettre vraiment en légende, donc légende c'est équivalent à normal, hein, voilà, rien de plus normal. Si tu disais que ton organe cardiaque se trouve dans ta poitrine, tu aurais techniquement raison, mais en revanche, tu aurais tout faux sur le plan spirituel. Qu'il s'agisse d'un palais ou d'une humble demeure, ta maison est là où se trouve ton cœur. Regarde Sackboy, par exemple. Sa maison est Little Big Planet, un paysage onirique en perpétuelle évolution et au potentiel infini. Même l'envahissant Négativitron n'a pas pu convaincre la petite créature de chiffon de renoncer à son monde d'art plastique. Car c'est bien Sackboy qui lui a botté le derrière et a rendu à Little Big Planet sa gloire passée. Et ce n'est pas étonnant, c'est un Little Big Planétien, bon sang. Nous vivons pour créer et nous créons pour vivre. Entendre parler de monde où la destruction prend le pas sur la création, c'est comme le bruit des ongles sur un tableau ou une insulte à l'esprit. Si ces mondes réclamant à grand cri sa créativité si particulière existent, Sackboy doit à tout prix les chercher. Quelle merveille va-t-il trouver, remodeler et rendre tellement meilleur? On ne peut que rêver des possibilités. Voilà, donc j'ai laissé un petit peu la voix off parler pour comprendre un petit peu la mini-histoire, hein, si je puis dire ça, mais c'est même pas une histoire, enfin bref. Voilà, hein, donc je le rappelle, PlayStation All-Star Battle Royale est un jeu de combat où on incarne un personnage d'un jeu vidéo qui est une exclu Sony. Par exemple, là, on va incarner le Sackboy tout au long de la vidéo. Et pourquoi le Sackboy? Parce que donc c'est une exclusivité Sony, Sackboy. À l'attaque! Donc c'est un jeu de combat, on doit vraiment attaquer et tout simplement battre son adversaire. Pour battre l'adversaire, bah, de toute façon j'avais déjà fait une vidéo, hein, sur le jeu, donc si vous voulez savoir un petit peu les règles, allez voir la vidéo. Mais le jeu est, voilà, c'est un jeu de combat, c'est un classique quoi. Lol. Donc la difficulté qui va être, en fait, c'est dans ce mini let's play, si je puis dire, vous pouvez peut-être même le remarquer maintenant, c'est tout simplement que Sackboy est un personnage que je n'arrive pas spécialement à maîtriser, donc ça va être un peu chaud, mais je tenais quand même à faire sa petite aventure. Pourquoi? Parce que j'ai fait tout simplement un let's play sur Little Big Planet, et je me suis dit, bah, à mon avis, ça pourrait vraiment plaire aux gens qui ont regardé mon let's play pour se rappeler un petit peu du let's play qui était assez sympa, donc... Oh lol, voilà, donc si vous voulez, là, on va taper notre adversaire, hein, comme c'est un jeu de combat, c'est le but. Et en bas, si vous voulez, je réexplique un petit peu. En bas, plus on le tape, plus notre barre va se remplir, tout simplement. Notre barre bleue va se remplir, donc vas-y, prends ça. Donc voilà, rien de plus simple, comme je le répète une fois. Lol, lol. Allez. Oh lol, je l'ai eu. Et donc notre barre va se remplir, et avec la barre, il va y avoir, par exemple, comme vous pouvez l'entendre peut-être en fond, il va y avoir j'arrive plus à parler, décidément 1, 2, 3, 4, il va y avoir une voix qui dit niveau 1, niveau 2, niveau je sais pas combien, et ça peut aller jusqu'au niveau 3 tout simplement, et donc arrivé au niveau 3, bah, on peut faire une superbe attaque. Donc là je vais essayer de battre mon adversaire. Pour battre notre adversaire c'est facile, il y a du temps, donc là il reste 1 minute 20. Et pour le battre, il suffit de vraiment bien le taper, ou alors le mieux, c'est quand même de faire des super coups qui nous propulsent vers la victoire, si je puis dire. Lol, mais là, je suis en train de prendre tarif. Donc comme je le répète,
Sackboy, c'est un personnage un peu particulier. Je suis pas spécialement à l'aise avec. Je vais quand même essayer de finir ce let's play. Imaginez, j'arrive même pas à le finir. La vidéo durera à mon avis, alors je sais pas du tout, ça peut durer 20 minutes, comme une demi-heure, comme 40 minutes, j'en sais rien. J'opte plutôt pour une durée d'à peu près entre 20 et 30 minutes, mais bon, je sais pas, donc vous verrez bien. De toute façon, vous connaissez très bien la durée de la vidéo, puisque vous êtes en train de la regarder, tout simplement. Voilà, là je suis en train de prendre cher. Faut que je le tape encore un tout petit peu et je vais pouvoir faire mon attaque de niveau 2. Oh non, me dis pas que je suis mort. Allez, niveau 2. Voilà, je fais ma super attaque. Et hop, voilà, je l'ai expulsé. Putain, c'est dommage, si j'étais pas mort, bah j'aurais peut-être réussi le combat. Mais bon, Sackboy, il est un peu chaud à utiliser, donc voilà. Alors, on contrôle le Sackboy, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est et qui ne connaissent même pas Little Big Planet, Sackboy, c'est le petit personnage, j'allais dire marron-beige, mais ils sont tous les deux marron-beige. C'est le petit personnage prolongation. Un peu en couture, si je puis dire. Lol, vas-y, mais je t'attends. Donc les coups sont un peu répétitifs, je dois l'avouer, que regardez, entre le coup de la boxe, le coup du je le propulse, c'est vraiment répétitif, oui, mais c'est... Voilà, il n'y a pas 36 touches non plus dans le jeu, donc voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'elle pourrait arrêter de me taper, s'il vous plaît? Putain, si je perds dès le premier combat, ça va pas le faire. Salut! Allez, bim, prends. Je vais faire une attaque de niveau 2 pour la tuer, tout simplement. Non, tu ne mourras pas. Oh mince, je l'ai pas eu non plus. Donc en fait voilà, si vous voulez, dans la première manche, il y a eu un partout. Donc ni moi ni elle a réussi à se départager. Et donc là on va devoir se départager lors des prolongations. Mais c'est très mal parti puisque tout simplement c'est parti pour une égalité là comme c'est. Hein. Non, je l'ai pas eu. Bon, pas grave. Terminé. Alors, qui a gagné? Prolongation. Bah, une troisième prolongation, c'est vraiment chaud, faut vraiment qu'on se départage, donc on va essayer un maximum. Je vais essayer d'arracher la victoire à la play, en plus elle est en normal, donc j'aurais peut-être dû mettre en facile, j'en sais rien. Mais bon. Allez, à l'attaque! Niveau 1, ok. Oh non, dommage, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi mon attaque. Mais elle est en maillot de bain ou quoi? Non, j'ai pas réussi. Ah, toujours pas. Donc j'enchaîne les attaques, mais j'arrive vraiment pas avec ce Sackboy. Faut vraiment que je m'adapte un petit peu au gameplay du... Non, lol. Du Sackboy, tout simplement. Niveau 1. Bim. Niveau 1. Voilà, hop. Non, 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 est-ce qu'elle m'a eu? Elle m'a eu. Bon, allez. Oui, je l'ai eu. C'est bon. Bon, les amis, excusez-moi, il va y avoir une quatrième prolongation. C'est vraiment chaud, mais c'est comme ça. Oh non, j'aurais pu l'avoir là. Bon, quatrième prolongation, la vidéo commence très bien. Si je galère dès le début, ça va le faire, je pense que ça va le faire, oui. Allez, boum, prends ça. Donc au passage, quand je tape l'ennemi, je le rappelle, il y a peut-être des espèces de petites boules de lumière sur la piste. Et il faut les ramasser, ça nous permet de... Non, je l'ai pas eu. Donc, allez. Voilà, niveau 1. Non, je l'ai pas eu. Faut vraiment que je l'achève, là. Non, toujours pas. Voilà, je l'ai eu. Excusez-moi, les amis. Je l'ai eu maintenant. Il suffit juste d'une chose, ne pas me faire tuer de toute... pendant 20 secondes. Je dois pas mourir pendant 20 secondes. Ça va être possible. C'est bon. Et donc, voilà, c'est une petite histoire dans Super Smash Bros. Brawl. Super Smash Bros. Brawl, pourquoi j'ai dit ça? Dans PlayStation All-Star Battle Royale, il y a plein de personnages et il y a des petites histoires, on va dire, avec chaque personnage. Donc je trouvais super sympa de faire celle du Sackboy, comme j'ai fait le let's play de Little Big Planet 2. Je me suis gouré, j'ai dit Super Smash Bros. Pourquoi j'ai dit ça? Tout simplement parce qu'en fait, si vous voulez, Super Smash Bros. Sur Nintendo... en fait, on peut dire que PlayStation All-Star Battle Royale sur Sony, Sony a voulu avoir son jeu de combat avec plein de personnages, donc ils ont créé majoritairement le jeu pour concurrencer ceux de chez Nintendo, hein, on peut le dire, hein, vraiment, faut pas le cacher, voilà, ça sert à rien de le cacher, puisque eux-mêmes le disent,
que ça sert à ça, mais c'est plutôt pas mal. Moi, j'opte plus pour le Super Smash Bros. De Nintendo parce qu'il y a des héros que je préfère, mais j'aime bien aussi ce PlayStation All-Star qui est franchement pas mal. Il est beaucoup mieux à plusieurs, donc effectivement, je pouvais pas vous faire le let's play, le mini let's play à plusieurs, hein, je pouvais le faire que tout seul, mais voilà, donc c'est quand même pas mal. Donc là, on va continuer avec un troisième combat entre moi, le mec de Infamous là, et je ne sais qui. À l'attaque. Allez, ça bombarde, ça bombarde. Donc là, ce qui va être un peu chaud, les amis, ça va être de gérer là, tout simplement les deux ennemis qu'il y a. Et, je dis gérer les deux ennemis, mais il y aura sûrement trois ennemis à un moment dans le truc. Voilà, et donc pour tout vous dire, le mode aventure, voilà ce mode aventure. Oh là là, j'ai eu les deux, po-po-po! GG! J'ai eu les deux, j'ai réussi à avoir les deux dans une super attaque, donc ça me donne 2 points. En fait, oui, je me suis peut-être mal exprimé, mais pour gagner le combat, soit faut vraiment pas arrêter de taper l'ennemi jusqu'à le mettre hors de l'arène, ce qui est vraiment chaud, ou soit le plus simple, hein, tout simplement, il suffit d'utiliser une super attaque, donc une super attaque ça s'utilise avec R2, et une attaque de niveau 1 c'est pas mal, une attaque de niveau 2 c'est démentiel, une attaque de niveau 3 c'est presque, je crois qu'on peut même pas les parer les attaques de niveau 3. Là je suis en train de prendre cher. Voilà, bon j'ai pas réussi d'utiliser mon attaque, mais bon, c'est pas grave. LOL, putain, ils attaquent à distance, ils ont de la chance. Boum, allez hop. Non, je vais pas. Allez, je vais réussir. Donc là je suis vraiment en train de gagner le combat, j'ai de la chance, mais je suis vraiment en train de le gagner. LOL, mais bon là je dis que je suis en train de le gagner, mais j'arrête pas de me faire tabasser. Voilà. Oh non, dommage, j'ai pas réussi à placer mon attaque. Donc, il reste 1 minute 30, donc c'est bon. Il va falloir que je ne meure pas pendant 1 minute 30, ça serait l'idéal. Oh, bon, bah, je dis ça, mais je suis mort, c'est génial. Je suis toujours premier, hein, le temps que le mec d'Infamous ne tue pas l'autre. Ça devrait aller. Et tu vas crever. Allez. Non, non. Oui, j'en ai eu un de plus. Bon les amis, j'ai éliminé déjà 3 personnes, donc c'est vraiment pas mal. Par contre là il y a, voilà, vous voyez c'est pas mal parce que la map est disons dynamique, si je puis dire, je pense que ça s'appelle comme ça. La map est dynamique, du coup des fois il y a des pièges sur la map. Là par exemple le piège qu'il y a eu, c'est tout simplement le monstre qui est derrière qui nous attaque. Voilà, regardez, le monstre qui est derrière va créer une attaque. Allez. Tiens, je vais le prendre. Il reste 30 secondes. Normalement, je suis très bien parti, les amis, pour gagner. Pour gagner sans prolongation. Par contre, il y a le mec d'Infamous là qui commence à me faire peur parce qu'il élimine vraiment tout le monde. Donc, on va le mettre à terre. Boum! Allez, prends ça. Voilà. Donc, si je peux en attaquer un deuxième, vraiment, ça pourrait le faire. Voilà, c'est bon. Bon, 4 éliminations, les amis. J'ai éliminé tous les ennemis 2 fois. Donc il reste 5 secondes, ça a l'air d'être pas mal parti pour que je gagne. Bon, au final ce Sackboy, j'arrive quand même bien à le jouer, hein, c'est quand même pas mal. J'aurais cru que s'il était un peu plus difficile parce que vraiment quand je joue avec je le trouve très difficile. Mais non, il est vraiment bien. Bon, j'ai fait 4 victimes, 2 morts, quand même le mec de Cole, de Infamous, je crois que c'est lui, a fait 3 victimes, donc j'aurais pu perdre, hein, mais bon. C'est bon, le temps qu'on y arrive. Donc là, ça va opposer qui Spike, Sly Cooper, Nathan. Donc Nathan Drake, il est dans Uncharted, et Sly Cooper, bah dans Sly Cooper, hein, faut pas abuser. Et Spike, je connais pas. Donc oui, il y a franchement des gens que je connais pas. Hein. Dans le jeu, on peut incarner pas mal de personnes, et il y a des personnages plutôt, que je ne connais absolument pas. Donc voilà, des fois c'est des découvertes. Faudrait que je me renseigne sur eux d'ailleurs. Oh, il y a Drake. Donc voilà, en fait, là, comme je vous l'expliquais en début de vidéo, la difficulté c'est que ce personnage je le maîtrise peut-être pas au mieux que je pourrais le maîtriser. Il y a beaucoup de personnages qui sont, je vais pas dire abusés, mais qui sont vraiment plus faciles à utiliser. Du coup, je me débrouille beaucoup plus avec d'autres personnages. Mais j'ai voulu tenter le défi de avec ce Sackboy. Allez hop. On attaque. Ouf, allez hop, j'en ai tué combien? Un ou deux? Un, je crois. On attaque, on enchaîne. Donc là, j'ai oublié de dire, oui, on est 4, hein, vous avez pu le voir, on est 4. Ah tiens, pendant ce temps, je ramasse un objet. Un objet, un objet, un objet, mais venez, les amis. Lol, lol, lol.
Donc j'ai ramassé un objet, on peut ramasser des objets, c'est assez cool. Oh, la gravité. Ok, on peut ramasser des objets, c'est assez cool. Ah là, il y en a un bon objet. J'ai une... Alors voyez, mon Sackboy a une épée, tout simplement, une épée assez violette. Une épée, ouais, on dirait presque une épée de couleur cosmos, je dirais. Voilà. Et donc quand on est 4, c'est beaucoup plus facile de, bah, de tuer des gens avec sa super attaque, je trouve. Même la première des super attaques est plus facile. Vas-y, Drac, viens. Je vais tuer Drac de Uncharted. Oh, dommage, je l'ai pas eu. Je pense que c'est mieux que je fasse mes super attaques quand il y a beaucoup de gens à côté de moi. Donc la map, pareil, la map là est dynamique, comme vous pouvez le voir. Et en fait, elle agit sur la gravité, tout simplement. Sur la gravité. Et pareil, là, elle est juste en train de créer un espèce de monstre derrière. Donc je sais pas c'est quoi ce monstre. Ouh, j'ai encore tué quelqu'un. J'ai tué Drac de Uncharted. Allez, mais viens, toi. Viens, l'ami. Donc je suis pas mort une seule fois depuis le début, je crois, si je dis pas de bêtises, mais ça va pas tarder, vous inquiétez pas. Voilà, voilà, je suis mort, je viens de mourir. J'en étais sûr, je le sentais là que j'allais crever. Ah, c'est quoi? Oh là là. J'adore la map, franchement, elle est assez cool, la map. Boum, allez. Ça serait bien que je fasse une troisième élimination pour être vraiment sûr de gagner, tout simplement. Par contre, si je me fais tuer, ça va pas le faire. Donc regardez un petit peu la map, j'attire votre attention derrière la map. Qu'est-ce que c'est donc que ce truc derrière la map? Je ne sais pas. Oh, et j'ai tué une nouvelle fois Drac. Bah le pauvre, il prend tarif avec moi. Allez, c'est bon. Donc là, j'ai un objet. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu. Mon objet sert tout simplement à lancer des missiles là où j'ai sélectionné la zone, tout simplement. Allez, je la sélectionne sur moi. Oh, merde, 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 merde. Non. Donc je trouve ça franchement assez cool qu'ils mettent la map dynamique, ça ajoute vraiment un plus au jeu. Donc c'est un plus qui est vraiment pas mal. Donc là, alors il reste 5 secondes, est-ce que j'ai gagné? J'en sais vraiment strictement rien. 1, terminé. Alors on va voir si j'ai gagné ou pas, j'ai pas tellement vu si les autres avaient fait des éliminations. Moi je sais que j'ai fait 2-3 éliminations. Oui j'ai gagné, bah j'ai dit GG, j'allais dire génial. Un mélange entre le GG et le génial. Génial. Donc, on a débloqué pas mal de choses pour le Sackboy. Par contre, là, j'ai pris le Sackboy, si vous voulez, classique. Donc, classique au niveau des couleurs. Mais on peut vraiment changer la tenue du Sackboy. On peut le mettre d'une autre couleur. Là, on va jouer contre Raiden. Alors, Raiden, c'est un des personnages favoris du jeu. Je me débrouille super bien avec lui. Je trouve qu'il est super puissant. Et ouais, quand même, les personnages qu'on va jouer là sont assez puissants. Donc, j'espère pouvoir les battre. Ça devrait pas poser de problème. Mais on va voir. On verra bien. Il doit rester encore 2-3 combats, je pense. 2 voire 3. C'est quoi cette map? Waouh. J'ai mon jetpack, c'est assez cool. Are you ready? Ah, faut peut-être pas qu'on tombe en bas, si. Alors, je pense pas qu'on puisse vraiment mourir en étant hors map. Après, je sais pas. À voir. Allez, mais moi, je te tue. Oh là là. Bah, c'est bon, les amis. J'ai déjà fait une élimination. Donc, on est bien parti. Faut qu'on continue comme ça. On continue sur cette lancée. Oh là là, mais prends cher. Mais qu'est-ce qu'ils prennent cher avec moi? Bon, j'essaierai peut-être, d'ailleurs, hors vidéo, j'essaierai de faire le jeu. Oh, j'en ai tué 2. Téléchargement terminé. J'ai tué 2 trucs, ouais. 2 personnages. Donc ça fait déjà 3 personnages depuis le début, c'est cool. Donc j'essaierai de jouer Là, je joue en légendaire, je crois, et j'essaierai de jouer en 3 étoiles, parce qu'en fait là je joue un peu en normal, j'essaierai de jouer en difficile. Je sais pas si vous l'avez vu à l'écran il y a quelques secondes, j'ai fini de télécharger Uncharted 3, je crois, c'est ça. Tout simplement parce qu'un abonné qui m'a gentiment conseillé, il m'a dit si tu sais pas quoi faire comme vidéo, je te conseille Uncharted 3, le multi est en ce moment gratuit, il est free to play. Donc je me suis dit ouais cool, je vais le télécharger et tout. Et allez hop, un de plus, j'en ai éliminé un. Et donc j'ai téléchargé Uncharted 3 et donc je vous ferai peut-être bientôt une vidéo sur le multi s'il est toujours gratuit, parce que on m'a signalé qu'il était gratuit ou quelque chose comme ça. Donc je remercie les gens, n'hésitez pas à m'envoyer par message privé, même par commentaire, des petites choses gratuites, des petits trucs, des conseils de vidéos, etc. Même des conseils sur mes vidéos, parce que moi les commentaires ça compte vraiment sur ma chaîne. Et donc quand je vois un commentaire, sachez que je vous vois, je fais attention à vous. Allez hop, j'en ai tué un de plus, c'est vraiment facile quand on est 4. Ah, là par contre je l'ai foiré. Ah, là aussi je l'ai foiré. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer plein de messages avec plein d'astuces et plein de... même de petites choses, hein, envoyez tout ce que vous voulez. Et en plus je les lis tous les messages. Oh là là, j'en ai tué encore un. Ça va être un massacre cette partie, franchement j'aurais fait un massacre.
Ah, par contre, il y a le mec de Metal Gear qui est juste en train de me tuer. Il est juste génial, ce mec de Drac de Metal. Non, c'est Drac, ouais, je crois. Allez, allez, on les tue. Donc, l'écran est un peu. Enfin, nos personnages sont un peu petits sur cet écran, mais. Voilà, la map est assez grande et donc quand on est dispersé, nos personnages sont tous dispersés. Allez, à l'attaque! Et donc voilà, j'essaierai de vous faire une vidéo sur Uncharted, si le multi est toujours. Si le multi est toujours free. Libre. Oh, je suis mort! Putain, on est quand même beaucoup à s'entretuer, donc j'espère pouvoir gagner à la fin de la partie. Et bah voilà, je suis encore mort. Oh là là. J'ai peur, j'ai peur. Boum, allez, toi tu meurs. Je vais essayer de tuer celle sur laquelle j'affronte. Boum. Plus que 10 secondes. Oui, j'ai fait une double. Et bien, ça se finit génialement bien, j'ai envie de vous dire, parce que j'ai fait une double à la fin du combat, tout simplement. Donc, j'espère avoir gagné le combat. Est-ce que j'ai été à la hauteur? On va voir ça tout de suite. Yeah, rock'n'roll. Oh là 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 là, bah les amis, regardez, j'ai fait 9 victimes, alors j'ai tué 9 personnes, c'est juste génial, et eux, ils ont fait 3 victimes. Icône débloquée, Sackboy. Ok, bon bah c'est génial, j'ai fait 9 victimes, je suis assez content, je suis pas mal débrouillé, j'ai trouvé le long de ce mini let's play, donc il reste encore ce combat là, après il va en rester un, à la fin il y a un boss final si vous voulez, hein. Mais voilà, donc objet oui, piège oui. C'est parti, là on va jouer contre Ratchet de Ratchet et Clank. Et les deux autres c'est Radek et Sweet Tooth. Ok, je connais pas trop. Non, c'est assez cool. Ah, j'avais déjà vu cette map, regardez, c'est assez cool la petite cinématique de début de cette map. Are you ready? Let's go! Je me mets direct en plein milieu pour tous les tabasser. Oh lol! Donc, allez. Comme d'hab, j'oublie pas, j'utilise mes super attaques. Donc il y a franchement de tout dans ce jeu. Ah, j'arrive plus à parler. Dans ce jeu, c'est-à-dire qu'il y en a pour tous les goûts. Donc déjà, vos personnages favoris de Sony, tout simplement. Mais aussi, si vous aimez attaquer à distance, vous prenez certains personnages. Enfin vraiment, il y a de tous les gameplays, on va dire que tous les gameplays des personnages sont différents. Toutes les attaques sont différentes. Donc c'est pas mal, ça en donne un peu pour tous les goûts. Et on trouve vraiment un personnage adapté à soi et à son style de jeu. Donc c'est pas plus mal. Il n'y a pas de personnage cheaté. Le seul personnage qui est cheaté, c'est seulement c'est tout simplement celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise, j'ai envie de dire. Donc ça peut pas être cheaté, c'est tout simplement votre personnage, voilà. Allez mais crève. Oh non, je suis mort. Oh oh, il n'y aurait pas un lance-roquette par hasard? Et si. J'aime le lance-roquette. Allez, c'est parti. Donc comme d'hab, on n'oublie pas de faire des super attaques. Ce qui est dommage, c'est que j'aurais bien vous faire... en fait, depuis tout à l'heure, si vous voulez, je vous fais des super attaques niveau 1. Voilà. Voilà, j'en ai encore tué un avec la super attaque niveau 1. Et il faudrait peut-être que je fasse des super attaques niveau 2 ou niveau 3. J'en fais pas trop parce que... je trouve ça beaucoup plus facile les niveaux 1. Mais bon, je peux peut-être essayer d'en faire une. Allez, je peux essayer. Peut-être une niveau 2, oui, allez, je vais faire une niveau 2. Hop, et même avant, en fait, si vous voulez, avant de faire ce mini let's play, j'arrivais vraiment pas à faire l'attaque niveau 1 de Sackboy, je savais pas comment l'utiliser. Et là, bah, c'est beaucoup mieux, je trouve. LOL. Allez, niveau 2, prêt, attaque niveau 2. Victoire, c'est bon. Bon, voilà, j'ai fait mon attaque niveau 2 et j'ai eu une victoire, donc c'est assez cool. Rock'n'roll. je vous ai montré l'attaque niveau 2. Donc l'attaque niveau 2 de Sackboy, ça consiste tout simplement à créer une espèce de brochette enflammée. Je sais pas comment appeler ça. Enfin, vous avez pu le voir à l'écran. Donc c'est parti, il doit nous rester un match, voire deux. Peut-être deux, j'en sais rien. On va regarder ça tout de suite. Oui, il doit nous en rester deux si je me trompe pas. Voire trois, mais bon, trois ça m'étonnerait. Kratos, Evil Cole et Fat Princess. Donc Fat Princess, je sais même pas ce qu'elle fout dans le jeu. Elle est juste nulle. Je rigole. Non, le personnage qui est un peu, je trouve, déséquilibré comparé aux autres, dans le sens où elle est un peu plus nulle au niveau des attaques, c'est le petit chat. Je comprends pas pourquoi il est là, enfin, j'arrive pas à jouer. Après, peut-être que des gens arrivent à jouer avec, mais moi, je comprends pas l'utilité de ce personnage, j'arrive vraiment pas à jouer avec. Il attaque rien du tout. Hop, allez, oh, je suis en train de me faire, mais juste achevé par un mec, là. Lol. Donc le terrain est quand même assez petit. Là on se retrouve dans une c'est là où on met les bagages dans un avion. Mais je sais pas, dans une soute on va dire. Ouais.
Boum. Allez, allez, hop, voilà. Je me suis un peu concentré là-dessus. J'ai fait une double kill. Double kill. Donc je vais essayer de faire une attaque niveau 2. Ça peut peut-être le faire. Boum, allez hop. Le Kratos est quand même pas mal fort. Donc là, voilà, on va complètement sortir de l'avion. Lol. On va sortir de l'avion et je vois pas du tout où est le temps en fait. Je ne vois plus du tout. Je vais faire une attaque niveau 2. Merde, il est où mon personnage? Ah oui, il est là. Il y a tellement de personnages que je m'y perds. Voilà. Toi tu meurs. Good. Putain, je fais quand même souvent les mêmes attaques hein, parce que c'est les attaques les plus faciles on va dire. Donc en même temps c'est un mini let's play, je vais essayer de gagner tout simplement parce que si vous voulez j'ai peur en prenant des risques, excusez-moi. Ah voilà, super attaque. Victoire, voilà. Donc je crois les amis que quand je fais une super attaque niveau 2 ou niveau 3, j'obtiens directement la victoire. Ou alors faut que je fasse 3 victimes, je sais pas. Mais en tout cas j'ai refait ma super attaque niveau 2. Et j'ai gagné la victoire instantanément. Donc c'est pas plus mal. C'est vraiment pas plus mal. Au passage sur ma chaîne je l'avais annoncé il y a quelques jours. Je sais pas si vous avez vu la vidéo. Mais j'ai un nouveau micro. Un nouveau micro que je n'utiliserai seulement pour mes vidéos sur PC. Voilà. Ouf, cinématique. Ouvre-le monsieur B. Ouvre-le. Oh regarde. C'est un nouveau monsieur B. Et regarde. Je l'aime bien lui. Il a l'air tout prêt à vider. Défi, défi, un seul peut gagner. Pas vrai, monsieur B? 1, 2, 3, j'irai dans les bois. 4, 5, 6, empoisonner des cerises. Il a l'air tout câlin, monsieur B. Est-ce que je peux l'avoir? C'est mon nouvel ami. Tu peux dire ce que tu veux. Il est à moi. Je ne veux pas être ton ami. Donc voilà, en fait, il y a le protecteur avec sa petite fille, là, enfin la petite fille dit que je suis son nouvel ami et du coup le protecteur, bah, en tant que protecteur, veut me tuer. Mais je veux pas que tu me tues, le protecteur. Je veux pas être tué par un protecteur, ça se fait pas. Attendez, là, on compare, les amis, vous vous rendez compte, on compare une peluche, hein, une peluche ou une poupée. À un protecteur qui fait je ne sais combien en taille et qui est juste en acier trempé, c'est tellement abusé. Allez, niveau 1. Boum, je vais lui refaire une attaque directement de niveau 2. Donc... Oh, c'est cool, je peux utiliser le jetpack, regardez. Jetpack, jetpack, jetpack. Oh yeah. Dextérité. J'ai bien fait d'arrêter le judo, ça servait pas. Vive le combat de rue. Allez, faut que je le mette directement niveau 2 avant qu'il me fasse son attaque. Ça serait cool. Allez, à l'attaque. Donc faut vraiment pas que je perde. Là, les amis, on est vraiment à la dernière étape du mini let's play. Hein, du coup, parce que c'est un mini let's play, j'appelle ça comme ça. Et on est vraiment à la dernière de cette dernière étape. Donc, je me permets de vous montrer. Je vais me permettre plutôt de vous montrer un. Ce qu'il en est pour l'attaque de niveau 3. Parce que depuis tout à l'heure je fais des niveaux 1, j'ai commencé à faire les niveaux 2. Et maintenant je vais vous montrer les niveaux 3 tout simplement. Qui sont pas plus mal, pas mal du tout même. Niveau 1, niveau 1. Allez, prends ça. Donc je peux utiliser le jetpack, ouais c'est assez cool. Ça sera quoi ça? Lol, vas-y. En fait je lui fais des prises de karaté. Allez. Donc je vais créer un punching ball. Et lui, il peut créer des espèces de mini-tournades, là, c'est assez cool, je trouve. Allez, tiens, prends-toi ça, 10 tonnes dans la tête. Attends, il me met-arrive quand même aussi. Faut vraiment pas... Faut que j'esquive un maximum les coups. Donc là, c'est le dernier combat. Je dis que c'est le dernier combat, mais en fait, on va enchaîner plusieurs ennemis, si vous voulez. Donc, faut vraiment que je sois attentif. On va vraiment enchaîner plusieurs ennemis. Allez, on arrive bientôt au niveau 3. Va falloir que je ne meure pas. Je vais essayer de mourir un minimum possible. Pour tout simplement... Putain. Attendez. Vous savez quoi? Je leur fais une attaque de niveau 2 au pire. Et je lui ferai une attaque de niveau 3 tout à l'heure.
Je crois qu'il faut, en fait, je crois que pour le battre, il faut que je le tue 3 fois, si je dis pas de bêtises. Donc, comme il y aura d'autres ennemis tout à l'heure, je ferai l'attaque de niveau 3 tout à l'heure. Voilà, victoire. Je savais qu'il fallait 3 victoires. Enfin, 3, l'attaquer 3 fois, 3 victimes. Tout passé, continuer. Voilà, donc les amis, on va affronter le dernier boss. C'est le dernier de chez dernier, là, c'est reconnaissable. Hein. On reconnaît vraiment que c'est le boss final. Et donc, en fait, le personnage que j'avais affronté avant, ça devait être un pré-boss, je sais pas comment appeler ça. C'était pas vraiment le boss final, non, le boss final, c'est lui. Et vous voyez, je vais devoir affronter, dans un premier temps, un Sly Cooper. Après, il y en aura deux, après, il y en aura trois. Enfin, vous allez voir ça. Regardez. Voilà, j'ai tué le Sly Cooper. Donc maintenant, vous avez la petite tête de derrière qui va vouloir m'écraser. Moi, je vais l'attaquer. Tout simplement, voilà, je l'attaque. Voilà, c'est bon. Une petite attaque. Je mitraille le bouton. Il est coriace. Voilà, et là, je commence vraiment à attaquer le visage. Donc, il commence vraiment à... regardez ce qui sort de son visage, je sais pas comment appeler ça. Donc là c'est du 2 contre 1, vraiment c'est du 2 contre 1. Les deux ennemis sont ensemble et ils veulent me tuer. Vous ne mourrez pas vivant. Bah vous mourrez mort. Donc c'est parti. Boum. Allez hop. Je joue contre quel ennemi du coup? Il y a un Kratos et un Jack. Voilà. Le Kratos fait beaucoup plus mal je trouve. Oula. Ne me faites pas mourir. Niveau 1. Voilà, c'est bon, j'en ai tué un. Donc maintenant, je vais tuer le deuxième. Ouh là là, je prends tarif. Donc, faut faire gaffe, comme d'hab, on a un élément du décor. Oui, on a une map assez dynamique. Non. Ah, il m'a lancé un petit un sackbot. Donc, c'est pas des sackbots, les sackbots, c'est les... Si vous avez suivi mon let's play de Little Big Planet, vous savez c'est quoi. Mais un sackbot, ça, en fait, c'est un objet qui est amoureux de toi, du coup, ça... Du coup, c'est très désagréable parce que ça te colle. Et, putain, est-ce qu'il peut me laisser le tuer? Est-ce que je peux te tuer tranquille, hein? Voilà, c'est bon, je l'ai tué tranquille, je vous le dis aussi. Maintenant, à l'attaque, allez, on attaque, deuxième fois. Allez, on mitraille le bouton carré. Là, c'est vraiment le boss final, donc on va falloir qu'on attaque ce maudit visage. Je l'ai pire que attaquer là. Et là, allez, c'est le bouquet final. Il y a 3 ennemis contre moi. Ça va être chaud. Lol. Je peux même pas passer à terre sans qu'on m'attaque. Bah du coup, ils sont tous les 3 contre moi, donc c'est assez chaud. Et c'est surtout que, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure avec mon personnage, il y a vraiment des meilleurs personnages que Sackboy. Enfin, d'après moi, c'est pas le meilleur de tous les personnages. Donc... Oh non, j'ai pas réussi à faire mon attaque. Donc je trouve que franchement Sackboy est un super personnage. Mais j'en connais des plus puissants. Ouh, j'en ai attaqué 2 d'affilée là. Ouais. Tu vas prendre tarif. Attends, je l'ai... Un Sackboy qui attaque un mec avec un RPG. Je savais même pas que c'était possible. Lol. Allez, si on attaque le Sly Cooper. Merde, je suis tombé sur une de ses mines. Voilà. Non, merde, j'ai pas réussi à l'avoir. Boulder de merde. Il va arriver sur toi. Donc là je lui ai lancé un petit sackboy, un sackbot, excusez-moi, amoureux, donc qui va le coller, qui va vraiment le gêner. Il est où Sly? Il est là. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Donc là il y a le visage qui va revenir. Et vas-y viens, je t'attends l'ami. Enfin, je pense pas que ça soit là un ami. À l'attaque, non, je suis dans les airs, je l'attaque là, je suis sur ses cheveux. Victoire pour le peuple! C'est bon, on a gagné. Personne ne m'avait jamais battu. Et bah voilà, c'est bon, c'est fait. Je t'ai battu. Donc on va peut-être y avoir une cinématique, je vais me taire pendant la cinématique. Puissance du Sackboy!
tel le doux souvenir d'un rêve merveilleux, notre petit Sackboy revient. J'espère qu'il nous a rapporté un cadeau. Bien sûr qu'il y a pensé, c'est l'essence des rêves, l'élixir de vie, la soupe primordiale de la libre pensée. Et si l'on veut échanger ce cadeau contre des chaussettes, je parie qu'il a gardé le ticket. Et qu'est-ce que tout ça lui rapporte ? Sackboy s'aventure dans des mondes où règnent le chaos et les conflits. Il revient avec des briques d'imagination à l'état pur avec lesquelles nous nous amuserons à fabriquer de nouveaux mondes. Alors, où est sa récompense à lui ? Sa récompense, c'est nous ! Le cœur de Sackboy est rempli de joie à chaque fois qu'un Little Big Planétien crée et partage. Tant que nous continuerons à créer et à donner, il gardera le sourire. Après tout, qu'est-ce que nous disions au début de ce voyage ? Ah oui, ça me revient. Nous parlions de cœur et de maison. Little Big Planet est un peu comme ta maison lorsque tu es loin de chez toi, non ? Sackboy nous a montré une fois de plus que tu es toujours bienvenu à la maison. Eh bien voilà, j'espère que ce mini let's play, les amis, vous aura plu sur l'aventure de Sackboy dans PlayStation All-Star Battle Royale, tout simplement. N'hésitez pas à le dire en commentaire ce que vous pensez de cette mini-histoire, en fait c'est un peu une mini-histoire, un petit court-métrage assez marrant. Un court-métrage de cinématique, enfin non, ils ont dû quand même faire une minute de cinématique, hein, quand même. Mais ils ont fait ça avec chaque personnage. Donc voilà, moi je ferai pas le let's play sur chaque personnage, hein, effectivement. C'était juste en un seul épisode que se déroulera donc ce mini let's play. C'est pour ça que ça s'appelle un mini let's play. N'hésitez pas à me dire donc oui, comme je le dis, en commentaire si ça vous a plu. Et comme d'hab, bah, les amis, j'aimerais vous dire que la chaîne se porte bien actuellement, c'est super sympa. Et bah n'hésitez pas à la partager avec vos amis, vos proches, vos contacts Skype, votre contact sur YouTube, vos Twitter, vos Facebook, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à partager la chaîne, comme ça, bah, on sera de plus en plus et la chaîne prendra vie. Enfin, la chaîne ne sera jamais, on va dire, elle sera toujours, j'ai un problème là, j'ai oublié un mot, sera toujours en marche, on va dire. Il y aura toujours des commentaires, des vues, donc c'est assez sympa. Donc n'hésitez pas, comme d'hab, à la partager, à mettre un like, à mettre un commentaire et à vous abonner, voilà. Sur ce, les amis, on va se quitter là-dessus, hein, sur ce générique que je viens de passer, tout simplement. Ciao tout le monde et à la prochaine pour de prochaines vidéos du coup. Bah salut !